On a de l'argot aujourd'hui qui prend quasiment plus de phyto. Là, tu es un petit peu émerveillé, tu dis, waouh, c'est super, mais comment on fait? Ben, en fait, il y a une nana qui est au Conservatoire végétal d'Aquitaine qui a ça, qui a une haie de forte densité. Une haie fruitière de forte densité. C'est-à-dire que tous les arbres se touchent, mais que ce ne sont pas forcément des arbres qui produisent tous la même chose. C'est-à-dire on a mis plein d'arbres différents, touche à touche. C'est-à-dire vous avez, allez, on va mettre une pomme ici, puis vous avez l'autre pomme ici qui est à, je sais pas moi, 30 mètres, plus 30 mètres. Et entre les deux, elle a mis autre chose, par exemple un pêcher, puis des noisetiers, etc. Et en fait, vous avez une densité au pied de tout un tas de choses. On a bourré tous les pieds avec de la diversité, de façon à ce qu'il y ait tout le temps des fruits, quelque chose qui pousse, etc. Des fois, ce n'est même pas des fruits. De façon à permettre à ces arbres-là d'être autoprotégés. Et en fait, dans ces études, ce qu'elle montre, les docteurs en biologie, elle montre que, en fait, comme il y a beaucoup de diversité, vous avez énormément de ravageurs et de prédateurs, et qu'ils peuvent aller de l'un à l'autre parce que ça court le long des branches, que tout est lié, donc ils sautent, etc. Et ils circulent et ils sont capables de faire de la prédation et de la régulation. Et que cette haie-là, elle marchait très bien. On a quasi des rendements, allez, à 80% du conventionnel aujourd'hui. Elle marchait très bien, à condition de nourrir le ou les pieds. C'est-à-dire, aux arbres, par terre, on nourrit. Et devinez comment on les a nourris? Eh bien, on la coupe aux tailles-haies, tout simplement. Hein, on ratiboise tout. Mais sévère, hein? On regarde même pas, hein? D'accord? Et alors il y a des nèfles, il y a des noisetiers, il y a tout ce que vous voulez là-dedans, on regarde même pas, et en fait on broie la totalité du végétal et des feuilles qui sont remises au pied de l'ail, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et depuis qu'on fait ça, miracle, la productivité est là, et peu ou quasiment jamais de problème. Ça fait comme un apport de BRF. Oui, ça fait le BRF. En fait, l'idée, c'était de respecter ce que la haie produit elle-même. On recycle tout au pied. On n'enlève jamais rien. Hein, c'est la règle d'or. On n'enlève que les fruits, finalement. Ouais. Alors, pour un arbo, c'est très facile, parce qu'il travaille avec l'arbre, il récolte les fruits, et toutes les feuilles et les branches, ben, il peut les ramener là. Et en fait, ce n'est pas tellement de nourrir, ça c'est important, mais c'est la continuité biologique, c'est-à-dire l'idée du corridor qui a gagné la bataille de la lutte biologique intégrée. Hein? Dans un verger classique, vous avez tous les arbres qui se touchent, par exemple des goldens, hein? Mais il vous manque la diversité des individus au pied. C'est-à-dire vous faites de la mono stratégie, donc vous allez aiguiller tous les ravageurs, etc., sans jamais avoir la possibilité d'avoir autre chose. Et donc c'est ce qu'elle démontre, donc ça risque de bouleverser la production fruitière dans les années qui viennent. Alors c'est une expérience qui est toujours pareille, hein. C'est critiqué, c'est machin, c'est pas connu, on n'est pas dans la bonne institution pour faire ça, hein, voilà, mais ça fait rien, ça existe, donc c'est le Conservatoire végétal d'Aquitaine qui a ça. Hein? Ouais. Elle a fait un petit bouquin là-dessus, alors elle en parle. Hein? Ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à ça quand vous faites de l'arbo dans vos projets de maraîchage, bio ou pas d'ailleurs, hein? Parce qu'aujourd'hui, on peut ouvrir le débat. Hein? Donc, des règles d'or, si vous voulez que ça marche, votre système, produire, consommer, recycler, et je ne perds rien parce que je recycle tout, toujours couvert, on n'intervient pratiquement pas. Forte production de biomasse, biodiversité partout, et tout va se recycler. Je dois recycler, 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 c'est-à-dire ramener le carbone à tout prix. Donc ça, c'est les règles d'or. Et ensuite, on va mettre en place un fonctionnement. Un, c'est l'annuel qui arrive. Deux, la vivace. Trois, la légumineuse. Alors la ronce, on peut la mettre dans les vivaces. Et après, arrivent les arbres pionniers et le reste. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pourquoi la légumineuse? Elle arrive là. Alors, qui est-ce qui pourrait répondre à ce genre de choses? Parce qu'elle apporte de l'azote? Pas vraiment.
Parce que tu en as aussi beaucoup avec les graminées, les légumineuses. Oui. Maintenant, elles puissent dans l'air, oui. Les autres, oui. Elles la mettent dans le sol. En partie, mais non. Les racines, Non, elle n'en met pas dans le sol. Pas déjà parce qu'elle est suffisamment carbonophane, elle est là pour nourrir. Non. Il faut qu'elle soit suffisamment dressée pour passer à travers les ronces. Est-ce qu'il y a suffisamment d'énergie pour qu'elle puisse se nourrir? En fait, ce qui va arriver dans ce débat-là, vous devez regarder vos plantes mûres, tout le temps. C'est-à-dire, moi je vois la plante verte, la biomasse. Hein? Je vois un légume, ou je vois des petits pois, ou des je ne sais pas quoi. Et vous devez aller plus loin dans le raisonnement, vous devez regarder les plantes mûres. Et on va commencer par celle-là. Elle va mûrir. Hein? Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi la légumineuse, à un moment donné, elle est là. Alors François vous montrera ça mieux demain. Hein? Regardez. Mon kénopode pousse. Donc il fait de la photosynthèse, il a une racine. Puis le premier truc qu'il fait, c'est du bois. Quand il est mûr, sa tige, c'est du bois. Laissez-le pousser, il devient dur comme du bois. D'accord? Donc en fait, lui, il me dit déjà un truc. Si je le laisse pousser, en fait, il fait du bois. Et il produit la lignine qui peut, je dirais. Hein? Alors c'est pas un arbre, mais... Voilà, déjà il me dit, la plante qui pousse et que je laisse mûrir, elle me fait la meilleure performance possible sur le carbone et l'énergie. C'est-à-dire, j'ai un défaut dans mon système agricole, jamais les plantes, je les laisse mûrir, sauf celles que je récolte finalement. Ok ? Mais quand je laisse mûrir tout le monde, j'ai des vraies surprises. L'ambroisie, hein, tout le monde pleure sur l'ambroisie. Non, l'ambroisie, c'est la plante qui dit aux hommes dehors, on en a ras-le-bol, vous dégagez, hein, du pollen très allergène, d'accord? Parce qu'elle nous dit un truc très particulier, là où elle pousse, c'est très dégradé et elle fait du bois. En 3 mois, du bois. Alors pourquoi elle fait du bois, cette satanée plante là? Pourquoi la première qui pousse, elle fait du bois? Parce qu'elle le ramène sur le sol, avec ses feuilles mortes, etc. Bon, tu dis, bon, ok. Donc, dans la nature, la nourriture du sol, c'est de la paille ou du bois, ou des feuilles mortes. Voilà ce que je dois comprendre. Hein? Donc, dans la nature, hein, le sol, eh ben, nourriture égale bois. Et le genêt est entre les deux. Hein? Le genêt est entre les deux. T'occupes, il fait du bois aussi. Voilà. Et puis, on verra pourquoi. On verra le genêt, à un moment donné. Au cours de la journée, on va le découvrir. Et en fait, on se rend compte que il y a un problème là, et que le premier truc qui arrive, il est là. C'est-à-dire, j'ai mis un carbone finalement très dur, polycondensé. Donc ça veut dire, si je regarde ma plante jusqu'au bout, mon kénopode, ben ça c'est énormément d'énergie qui arrive. Et ça arrive où dans la nature? Allez, regardez votre forêt. Ça arrive sur le sol, parce qu'il y a rien pour dégrader. Voilà, c'est toujours sur le sol. Et ça... C'est hyper important. Jamais, 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 aucune matière organique ne s'incorpore dans le sol. Interdit. Alors c'est un gros pavé, parce que toute mon agronomie, elle est à enfouir. Hein? Hein? Non, non. Si vous voulez arriver au bout, il est interdit d'enfouir la moindre matière organique. Jamais rien. Je suis un cerf, je fais... une déjection, eh bien, elle n'est pas enfouie. Hein? Ok? Elle tombe dans une litière, et terminée, il y a une feuille morte qui la recouvre après. Alors éventuellement le chien qui gratouille un peu, ou le renard, ou le blaireau. Hein? Mais en règle générale, c'est toujours, toujours sur le sol. Prenez ça comme une espèce de règle d'or qui va nous sauver la peau. D'accord? Sur le sol. Et une fois que c'est sur le sol, il va se passer quelque chose de très particulier. Cette litière, en fait, elle va être mangée. Il y a des mangeurs de litière, des mangeurs de végétaux. Donc, ces mangeurs de litière,
Ben, quand je mange de la plante, moi par exemple, quand je mange du végétal, qu'est-ce que je fais? Hein? Je digère et je fais un excrément. Eh ben, c'est pareil pour un ver de terre ou un champignon ou quelque chose qui pourrait manger de la litière, d'accord? Il va y avoir une production d'excréments et il se trouve que cet excrément très particulier, on l'a appelé la matière organique du sol. Voilà. Et donc, qualité d'un excrément, qualité numéro 1 d'un excrément? Ben, je mets des bottes pour aller dans la stabule, moi, tous les jours. Ben oui, ça colle. Ça colle même sur le caoutchouc, ce truc-là. D'accord? C'est pas mal, hein? Donc, ça en veut, hein? Et donc, parce que cette qualité-là est très particulière, cet excrément, il va vous permettre, en fait, de faire la structure stable, de coller le sol. La stabilité des agrégats du sol, ils sont faits par cette super colle, et vous verrez ça demain en long, en large, en travers, c'est-à-dire cette super colle-là qui arrive, qui est en fait un excrément d'être vivant. Alors, pas le même que le mien, c'est clair, hein? Mais le mien, il a quand même la faculté de coller, hein, puisque même les WC, ça colle dessus. Hein, c'est... Pourtant, je ne vous dis pas, on a fait un truc super, lisse, nickel, non, ça, ça colle encore dessus. L'horreur des femmes de ménage. Hein. Oui, mais c'est impressionnant. Et donc, cet excrément qui va coller, on l'a appelé la matière organique, dans laquelle il y a deux types de matière organique, en fait. Hein, l'humus stable, ce qu'on mesure dans nos analyses, puis une matière organique qui va être rapidement dégradée. Hein, on a les deux. Et donc, cette matière organique, en fait, elle va vous permettre de stabiliser le sol, de faire le complexe argilo-humique et tout ce que vous voulez. Et à un moment donné, qui est-ce qui mange des excréments? Alors, pas moi, mais je connais des mangeurs d'excréments dans ma fosse septique. Donc, des bactéries. Donc, les bactéries, en fait, elles vont venir manger les excréments. Et quand elles mangent les excréments, elles vont libéraliser, enfin, elles vont pas libéraliser, elles vont libérer et mettre en, minéraliser, en fait, libérer les éléments chimiques simples, c'est-à-dire N, P, K, machin, etc., etc. C'est-à-dire, vous allez voir apparaître au bout de la chaîne de décomposition tout le tableau de Mendeleïev, et là-dedans, la racine, elle puise pour augmenter la productivité de sa plante. En gros, la nature, elle vous a inventé un système qui est très simple. Plus je nourris le sol avec de la paille, plus, à un moment donné, je vais voir apparaître autre chose qui permet de faire pousser le végétal. C'est-à-dire, plus je nourris, plus je produis. D'où l'arbre, qui fait en fait la meilleure performance, d'accord, sans rien, là où il se trouve. Hein? Le problème, il est très simple. Dès que le soleil touche le sol, tu le stérilises. Point. Voilà. C'est, allez même pas plus loin que ça. Moi, tout nu au soleil, je chope le cancer. Donc il y a bien une raison, il y a bien un problème. On va découvrir qu'il y a un vrai problème. Donc on va laisser notre sol tourner, voilà. Donc on a, voilà, on peut donner des noms, alors ça devient très complexe quand on retrouve ça. On pense que, je ne sais pas quoi, si vous avez regardé le reportage sur l'A2 hier soir, c'est 25% de la biodiversité du monde. On ne sait pas, c'est colossal, on n'en connaît pas grand-chose. L'idée c'est de regarder les grands compartiments, et en fait on va retenir une chose, c'est une maison qui est en train de prendre un toit très particulier, d'accord? C'est-à-dire, ma forêt, si je regarde mon modèle, mon arbre, eh bien, c'est un toit, d'abord protecteur, capteur, etc., et ensuite qui fait un deuxième toit, c'est-à-dire une litière par terre. Hein? Et mon arbre, il pousse justement avec quasiment pas de travail du sol, un sanglier de temps en temps qui remue ça, mais bon, faut pas... En fait, ce qu'il faut que je comprenne, c'est que ce système-là, il va faire quelque chose de très particulier. C'est sur le sol, parce que le sol doit être dans une boîte qui est noire. Et donc c'est à l'abri du soleil. On a mis beaucoup de temps pour le comprendre, c'est l'analyse de cas du maraîchage justement qui nous a mis la puce à l'oreille dans la bibliographie scientifique, on a trouvé tout ça.
Et on a trouvé tellement de trucs, on s'est posé la question. En fait, la science, elle sait beaucoup de choses. Sauf que les recherches, elles ne sont pas faites pour le nouveau système que l'on veut construire. D'accord ? En fait, c'est comme un puzzle. Il faut aller chercher des trucs qui sont ensilés dans les bouquins et les remettre à la bonne place. On construit un nouveau... c'est comme un jeu de Lego, un petit peu. On a une boîte de Lego, alors il y a le modèle initial, et puis il y a ce que tu peux faire avec les Lego quand même, sans le modèle. Hein. Et en fait, tu es en train de reconstruire une nouvelle idée de ton métier d'agriculteur, et puis tu reprends les briques, donc elles ne sont pas fatalement à la même place. Et donc cette reconstruction de la compréhension, elle est nécessaire, parce qu'en fait, on sait beaucoup, beaucoup de choses, mais il faut reconstruire le débat. Hein. Donc on se rend compte que le sol... La forêt, en fait, ou l'organique, le sol est une maison où il y a plein d'habitants qui font le job, on nourrit correctement, et en plus, on a un capteur qui va mettre tout le monde au noir. Hein, et c'est fondamental. Si le sol n'est pas au noir, vous perdez la bataille de tout ce qu'on a à construire. Le soleil est mon ennemi. Hein, c'est ça qu'on va découvrir toute la journée. Alors, on continue. Maintenant, j'ai des problèmes, ça ne pousse pas tout seul. Je sors de la forêt et je vais dans un champ agricole. Bon, maintenant, mon paysan, il a couvert le sol, il a une plante qui pousse et puis il va envoyer de l'engrais. Je mets du compost, mettez du compost, du fumier, du lisier, du digestat, de l'engrais chimique, et Dieu sait quoi. Hein? Où ça va? Quand je mets un fertilisant, il va où? Il va sur le sol, effectivement, il va migrer dans le sol parce qu'il va être pris en charge par des individus, mais en fait, il va exclusivement, mettez-le à la case bactéries. D'accord? Je mets de l'azote chimique, c'est les bactéries qui s'en chargent. Hein? Je mets du compost, c'est les bactéries qui commencent à s'en charger. Je mets du lisier, c'est les bactéries qui s'en chargent. Je mets du fumier, c'est les bactéries qui s'en chargent en premier. Et donc, on va se rendre compte que quand vous allez fertiliser, vous allez finalement nourrir une case bactéries qui va devenir comment ? Énorme, puisque je lui mets beaucoup de nourriture. Et quand j'ai beaucoup de bactéries, qu'est-ce qui va arriver ? Eh bien, un jour, il n'y aura plus d'engrais. Ils auront tout consommé. Or, pour l'ammonitrate, c'est clair, c'est net. Je mets de l'ammonitrate, un mois après, il n'y a plus rien. Donc les bactéries, quand elles ont faim, qu'est-ce qu'elles vont faire? Oui. Avant de mourir et minéraliser pour libérer ça, elles vont essayer de se sauver la peau, exactement comme nos gars avec les émeutes de la faim. Elles ouvrent le frigo et elles tapent dedans. C'est-à-dire, on a tous appris que quand on fertilise, on aide à minéraliser la matière organique du sol. D'accord? Hein? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai fertilisé, je fais un très gros tas ici d'éléments minéraux, mais qui devient énorme, que la racine reprend et qui augmente le rendement. On est bien d'accord. Hein? Mettre du compost, du lisier, du fumier, chez Dieu sait quoi, ça fait pousser les plantes. Hein? Où va être la faille du raisonnement autour de la fertilité, de la fertilisation? Où est la faille? Si on fertilise de trop, on rend les bactéries fainéantes. Alors, ça, oui, en partie, mais c'est pas grave. Tu as plein de fertilisation, donc tu as plein de bactéries quand même. C'est peut-être pas les mêmes qui bossent. Hein? Hein? Non, quand tu as beaucoup de bactéries, parce que tu as beaucoup fertilisé, quelle est la faille du raisonnement, là? Ça fait baisser le taux de matière organique. Voilà. C'est-à-dire que comme elles tapent dans ce stock de matière organique et d'humus du sol, puisque c'est leur frigo, hein, eh bien, à un moment donné, la quantité ici, elle diminue énormément. Et comme cette quantité, ce stock, il diminue, mon frigo se vide, eh bien, je dois à tout prix le réalimenter. D'accord? C'est-à-dire la grande faille du système agricole, peu importe où je regarde, c'est que je n'alimente plus correctement mon frigo. OK ? Hein? C'est-à-dire que je fais une analyse très simple, ben, je suis un éleveur, j'ai fait du fumier, ben, j'enlève la paille du champ pour la mettre dans le fumier, donc je fais un super excrément, etc. Je l'amène au champ, donc c'est d'abord un engrais, d'accord ?
qui va alimenter la case bactérie, qui va me baisser le stock. Or, je n'alimente plus la première phase du cycle. D'accord ? Donc, en gros, plus je vais fertiliser sans réalimenter le cycle, plus je vais dégrader le sol. On peut faire les deux. On peut faire des couverts végétaux. Ben, c'est l'idéal. L'idéal, c'est de faire les deux. C'est-à-dire que le premier pas, hein, le premier que je dois faire dans un système agricole, peu importe comment, c'est de permettre le retour de la matière. Et puis finalement, la fertilisation, elle permet de récolter beaucoup. Hein. C'est le premier pas. Parce que quand j'ai les deux, ça pourrait marcher beaucoup mieux que quand j'ai que un. Et en fait, c'est ce qu'on voit partout, les sols se dégradent parce qu'on oublie de réalimenter le cycle de production de l'humus. Et, oui ? Mais je serais quand même curieux de savoir ce que vous dites. J'y crois oui, quand oui, même. Oui. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il n'y a pas eu des expériences qui ont été menées ? Je serais curieux quand même de savoir. En forêt. Oui. Exemple, en forêt, vous avez le traditionnel. Oui. Et admettons que vous amenez du fumier ou d'autres intrants, qu'est-ce qui va se passer ? Ah ben souvent, ça pousse mieux. Mais est-ce qu'on diminue aussi la matière organique ? Ben non, ton problème sur la matière organique, c'est un problème de concurrence. En fait, il faut toucher du doigt ce problème-là. Mon système agricole, lui, il fonctionne comment ? Là, est-ce qu'il fonctionne comme ça, mon système agricole ? Non. En gros, quand je fais de la production végétale, voilà. Je fais une exportation à la clé. Hein ? C'est-à-dire, on va commencer à se rendre compte que il faudrait quoi faire réellement ? D'accord ? C'est-à-dire on va avoir des gros problèmes si on regarde le cycle de fertilité et de fertilisation. Hein ? Alors le plus simple à comprendre, c'est la paille. Donc j'exporte le grain. Ouais, pourquoi pas, il faut bien que je mange de la farine et du pain, après tout. Hein ? Mais j'exporte la paille en plus. D'accord ? Et donc cette paille-là, où est-ce qu'elle va manquer ? Elle va manquer dans la première phase du cycle parce qu'elle va être prise en charge par des champignons, des décomposeurs et des vers de terre, etc. pour produire le stock dans le frigo, la matière organique du sol. Donc je suis en concurrence. Qu'est-ce qui va rester dans cette idée-là ? Hein, si j'ai par exemple du blé ici. Hein ? Ben, il va rester le chaume. Et les racines. Et la question que je dois me poser, ici, est-ce qu'il y a assez ? Est-ce qu'il y a vraiment assez ? Première question, voilà. Et à force d'en faire des expériences, on a compris que il n'y avait pas assez, en fait, réellement. Hein ? Que la paille qui est là, celle-là, elle doit à tout prix revenir. Hein ? Alors, si j'enlève la paille, qu'est-ce que je dois faire ? Compenser. Je dois compenser, c'est-à-dire si la paille part, je vais avoir une stratégie de compensation. Donc, je vais compenser. Et donc, ça se fait par un couvert végétal, d'accord ? Qui va faire le job. Et donc, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire, une fois de plus, avec mon couvert végétal, là ? Je ne l'exporte pas. Mais je dois lui permettre la plus grande production possible pour compenser le plus possible. C'est-à-dire, lui, c'est rendement max. Et quand est-ce qu'on va trouver que ce couvert végétal, il a fait son job correctement ? Voilà. C'est-à-dire que quand il va commencer, en fait, lui, quand est-ce qu'il va être bon pour revenir là ? C'est quand il aura copié ça. D'accord ? C'est-à-dire que la paille, il faut la regarder différemment que de la paille.
Comment je pourrais regarder la paille si je reviens à mon histoire de tout à l'heure avec la lignine? Mon couvert végétal en grès vert, lui. Voilà. En fait, on va le caricaturer très simplement. L'engrais vert peu d'énergie. OK ? Voilà comment je vais le caricaturer. C'est que de la flotte, un petit peu d'azote. Il n'y a pas de carbone ou très très peu. Les chaînes ne sont pas très polymérisées, pas très construites. Alors que quand je vais mettre de la paille, ben là j'ai... D'accord ? Et ça nous a changé la vie. Actuellement, je peux vous le dire comme ça, comme je suis là, c'est plus les couverts végétaux sont restitués au sol après floraison, mieux ça pousse. Alors là, c'est grosse surprise actuellement. Hein. C'est waouh. Je vous dis pas, c'est machine à prendre des claques. Ah ben non, non, non. Mais je vous garantis, là j'ai plein d'expériences qui se préparent et qui sont en route. Tous les paysans sans exception me le disent. Plus le couvert végétal pousse, plus il arrive à un stade où il fait de la paille. Donc ce stade, quand est-ce que vous allez l'avoir dans un optimum de paysans? Quand est-ce que je vais passer de l'hémicellulose à la cellulose avec comment je vais commencer à produire de la lignine? Quel est le stade du végétal sur lequel je pourrais, couvert végétal, travailler? Hein? Oui, c'est après floraison. Hein? Donc ça, ça se fait après floraison. C'est-à-dire que on pourrait mettre un interdit, hein, car interdit, de détruire un couvert végétal avant. C'est-à-dire floraison établie, premier débat, d'accord? Alors ça nous a un petit peu surpris, mais je vous garantis, là actuellement j'ai des expériences, alors c'est mon frangin qui les fait, c'est plus simple, mais en grande culture, ben, on sème et ça pousse. Alors on met encore de l'engrais, mais il y a un vrai débat. Quand on aura fini de maîtriser le cycle, il y a un vrai débat, ça pousse tout seul. Mais c'est propre, c'est ça le pire. Le champ est propre, on n'a pas besoin de désherber. Alors tu dis, problème. Après floraison et avant fructification ou... Oui, non, ben, avant que ça fasse vraiment de la graine, parce que toi tu as un compromis là, un petit peu, parce qu'il faut quand même passer à une plante, tu as un système à construire, mais il y a un truc ici là, d'accord? Retenez ça, il y a une espèce de fil rouge dans la réflexion agronomique qui est important là. Et donc dans la compensation, je vais enlever de la paille, alors imaginez maintenant que mon sol, je sois capable de lui mettre ce super couvert végétal, plus la paille. Ben, ça pourrait carburer à bloc ici, d'accord, hein? Parce que ça marche à bloc, et la fertilisation en plus. Hein? Donc le problème qui va se poser, c'est qu'est-ce que je sors et qu'est-ce que je dois remettre, est-ce que je peux compenser, oui, non, etc. D'accord? Mais dans les systèmes... avec les rendements qu'on fait en blé et les volumes de paille, oui. Ce volume de paille pénalise aussi le développement du couvert qui suit. Et comment gérer ça? Alors oui et non, parce que c'est pas vrai en fait. Hein, c'est nous qui avons un petit problème, mais on va voir ça avec l'azote. Tu sais, on va continuer, on va passer du carbone à l'azote tranquillement. Et en fait, toi tu penses que la paille que tu laisses, elle te crée une fin d'azote quelque part. Hein? Mais c'est pas vrai. Là aussi, grosse surprise. Alors du coup, on va finir le raisonnement. Pourquoi ça ne pousse pas tout seul? Voilà, hein, ça, jusqu'à présent ça pousse, maintenant ça ne pousse plus. En fait, ça ne pousse pas parce que j'ai oublié que partout dans la nature, il y a une espèce de spirale de dégradation de l'environnement qui est à l'œuvre. En gros, ce que je fais, je coupe une forêt ou je détruis une prairie, c'est-à-dire je détruis un espace naturel. Hein? Et puis quand je vais détruire le végétal et l'enlever avec un coup de bulldozer, plus une tronçonneuse, plus un ripper, plus il faut niveler, je passe la charrue, hop, je travaille, je nivelle, je sème, d'accord? Mais en fait, ce que j'oublie, c'est que dès que j'ai enlevé la plante, j'ai perdu la biodiversité qui est associée à tout ce système-là. En fait, j'ai détruit le toit de la maison, et la maison
avec. Donc toute la biodiversité s'en va. Et donc je vais perdre les individus, les plantes et l'activité biologique, toute la biodiversité associée qui mange du végétal, qui fait en fait le recyclage. OK ? Et comme ça ne peut plus recycler parce qu'il manque l'essentiel, que je viens de dégager avec le feu, le bulldozer et tout ce que vous voulez, eh bien, je vais commencer à perdre la fertilité du sol. C'est-à-dire, je casse ce cycle de réapprovisionnement de la matière organique et du frigo, puisque je l'enlève, le végétal. D'accord ? Donc, au bout du compte, qu'est-ce qui va arriver ? Je vais perdre la fertilité organobiologique, je vais perdre le taux de matière organique. Donc ça, c'est les courbes classiques. En 20 ans, je divise par deux. Hein ? Quand tout va bien, parce que les pires des pires, c'est les maraîchers nantais. On a fait des enquêtes avec eux. Ils achètent une polyculture d'élevage, une ferme, tu sais, où il y avait de la prairie, etc. Ça fait 4,5-5% de matière organique quand ils achètent la ferme. 10 ans après, 1%. Et quand vous faites le bilan des tonnes et des tonnes et des tonnes de compost qu'ils ont mis là-dedans, vous êtes ahuri. Parce qu'en fait, vous ne faites que perdre. Et là, je vous garantis que vous avez un cas d'école. Vous allez chez les maraîchers nantais, vous regardez l'état de la nappe à Nantes, c'est bon, il n'y a que des nitrates partout. Hein, et là, on ne peut pas dire que c'est la faute de l'élevage, c'est la faute des maraîchers. Et ils mettent sûrement, allez, c'est entre 10 pour un mec sympa, jusqu'à 30 tonnes de compost à l'hectare, pour faire leur mâche et leur machin et leur truc. Hein, et bien, je vous garantis que le taux de matière organique, il passe de 5 à 1 en 10 ans. C'est à pleurer. Et là... Après, ça devient des passoires. Donc, ce qui se passe, une fois que vous avez perdu la matière organique, votre sol, il se compacte, il devient dur comme du béton. Vous allez commencer à voir tous les phénomènes de battance, d'érosion qui vont avec, puisque l'eau, finalement, elle ne s'infiltre plus très bien, donc elle coule. Hein. Et quand elle coule, en fait, elle ne réapprovisionne plus correctement les nappes et les zones humides. Donc, vous ne régulez plus le flux de l'eau, donc vous perdez l'eau. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Ben, vous faites un trou. Vous videz la nappe réellement pour irriguer, d'accord ? Sauf qu'à un moment donné, on arrive au bout, ça y est, la nappe de la bosse est considérée en danger. Faut le savoir, hein, il y a des années où c'est très 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 tendu, on devrait interdire l'irrigation. J'ai déjà été au feu en 2011 avec eux. Et donc regardez le raisonnement qu'on m'a envoyé, c'est pas dur, notre copain c'est Xavier Belin, il va rentrer chez le ministre, ils vont nous tirer un tuyau depuis la Loire pour irriguer. Hein, remplir la nappe, si vous voulez. Hein. Donc, elle y pompe. Oui, sauf que sur la Loire, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, il y a des centrales nucléaires partout. Je vous garantis que vous n'enlevez pas l'eau. Hein. D'accord ? C'est tout. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Vous l'avez perdu, donc vous allez perdre les rendements. Et à un moment donné, c'est cuit. D'accord ? C'est l'Espagne. Hein. Alors, ça va plus ou moins vite selon le climat. Il y a des climats où c'est très rapide. En 15-20 ans, vous pouvez faire un désert. Hein. Quand c'est subtropical ou tropical. Et chez nous, ça va prendre 100 ans, 200 ans, peut-être 2000 ans pour certaines zones, d'accord ? Mais on y arrive de toute façon. Et à un moment donné, inexorablement, si vous voulez récupérer l'environnement, vous ne pouvez rien faire dans cette spirale-là. Je dois aller en haut. C'est-à-dire, je dois revégétaliser les sols et réfléchir végétal plutôt que métal, hein ? D'accord ? Hein, c'est une célèbre formule, du végétal plutôt que du métal. Et donc, à un moment donné, cette spirale-là, elle est à l'œuvre partout, 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 partout sur la Terre. D'accord ? Dès que j'enlève le végétal, je mets en route. Et après, sont arrivés les raisonnements débiles sur lesquels on est complètement coincé. La chimie pollue. Parce que là, je mets de la chimie partout parce que ben, j'ai besoin d'un truc exogène pour que ça pousse. Non, la chimie, elle ne pollue pas. Regardez, c'est que le septième outil qui arrive pour produire. J'ai mis une tronçonneuse, j'ai mis le bulldozer, j'ai mis le feu, d'accord ? Puis après, j'ai extirpé les racines au reaper du bulldozer. Ensuite, je dois tout niveler, ben, je laboure quand même, parce que je n'ai pas mieux que ça pour faire, d'accord ? Donc ça y est. Et puis je continue, je mets la herse rotative et je sème. Là, le sol est nu. J'ai enlevé la biodiversité, j'ai cassé le cycle du carbone, il n'y a rien qui pousse. Donc, levée de dormance de tout ce qui existe. Il y avait une forêt, puis tout d'un coup, c'est forêt vierge de chénopodes. On se demande d'où ils sortent. Vous voyez ? Pam ! Donc, ma graine que j'ai semée, elle ne pousse pas. Donc, je lui mets de l'engrais, de l'azote, et puis tout le reste, pour que ça pousse. Et je mets un désherbant pour la sauver. Et on me dit que la dernière
pratique que j'ai, c'est la pire. Heureusement que j'ai désherbé pour me sauver la peau. Ok ? Alors désherber, ben, on va enlever le désherbant, on va le faire avec un outil, mais c'est kiff-kiff pareil. C'est-à-dire, j'ai 7 conneries avant, et on m'accuse que la dernière, c'est la pire. Mais de toute façon, ça ne va pas me résoudre les autres. Il faut que j'aille voir avant, ce que j'ai fait avant. Donc je dois revégétaliser les sols pour me mettre au quai. Et à un moment donné, tant que je n'aurai pas revégétalisé les sols, je ne pourrai pas régler toutes les autres conneries. Donc c'est très 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 chaud, parce que ça c'est politique, d'accord ? Mais il faut le savoir, nous on va s'affranchir de ça, et on va commencer à travailler là. Regardez ce que fait mon paysan. Ça, c'est les coteaux du Gers. J'ai 40-50 hectares comme ça. Ça a été remembré. Il n'y a plus rien. Je vous garantis que les fermes, quand elles ont fait 30 ans de blé dur tournesol, est terminée. Il n'y a plus rien qui pousse. La seule biodiversité qui reste, c'est celle-là. Et le gars, eh bien, il met des intrants pour essayer de se sauver la peau. Puis là, on a commencé, quand on fait ces gros paradoxes, ces grosses caricatures, de dire, ben oui, mais il y a un problème, où est le végétal ? Vous hein, voyez ? Mais ben, il est absent. Et donc, on s'est rendu compte que, eh ben, on avait ni plus ni moins détruit notre maison, enlevé le toit, d'accord ? Voilà, mes outils, voilà ce qu'ils font. Ils détruisent la maison, j'ai dégagé le toit, donc il n'y a plus de protection possible. Hein ? Et ensuite, ben, la matière organique, ben, je vais la broyer, elle va être accessible à l'air, ça va donner du carbone et de l'azote, mais sans doute trop, parce que je continue à fertiliser. D'accord ? Et à un moment donné, tout va fuir. Parce que finalement, je viens de détruire l'outil de recyclage. Alors non seulement j'affame les habitants, et en plus je leur casse la baraque. Ça s'appelle Gaza, ce truc-là. Hein, c'est, vous allez à Israël, là-bas derrière, ils se tapent dessus, tout est en piou tout le temps, et tu ne peux rien construire. Hein. Tout le monde se bagarre pour sauver le petit peu de ce qui lui reste, si vous voulez. Hein. Et donc ce système-là, ben, il va conduire à la dégradation agro-environnementale, hein, et vous avez quasi une équation de la pollution qui se met en place. Hein. Votre équation, elle est très simple. La matière organique, qu'est-ce que c'est ? Celle du sol. Voilà, c'est les excréments des vers de terre, etc. Mais tant que c'est aux phases excréments dans le sol, c'est une structure, d'accord ? C'est encore structuré, ce truc-là. Or, vous allez faire un truc très simple. Donc, la matière organique, c'est C plus N. Donc ça, c'est la MO, on va dire, du sol. Voilà. Et puis maintenant, vous rajoutez quoi, là ? Voilà. Plus de l'énergie, plus de, l'oxygène. Donc, qu'est-ce que vous faites avec ça ? Et oui, vous faites un truc très simple. Donc, ça fait du CO2 plus du NO3 parce qu'il y a quand même trop d'oxygène qui arrive. Et à un moment donné, c'est incontrôlable. Parce que ça, on sait que ça marche, ça augmente avec l'eau. C'est-à-dire, dès qu'il va pleuvoir, vous allez accélérer la fuite. Alors, c'est quand même malheureux de perdre ça, parce que qui est-ce qui en a besoin de ce truc-là ? Ben, c'est moi dans mon champ pour faire pousser mes plantes. C'est quand même malheureux. Hein ? Et donc, la nature, elle ne fait pas ça. D'accord ? Jamais, jamais, jamais. Hein ? Elle s'est débrouillée autrement pour récupérer ses nitrates, en fait. Voilà, donc ça donne ce genre de photos, vous en avez sur toute la France, vous en verrez peut-être d'autres demain, et c'est catastrophique. Et puis on a commencé sur des sols très sensibles qui sont des limons battants, etc. Monoculture de maïs plus couvert végétal. Je travaille plus. Et on se rend compte que la qualité de l'eau, en fait, je la vois. Je n'ai pas besoin de faire une analyse de nitrate. Je m'en fous des analyses. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse pour travailler, c'est le regard. La couleur de l'eau me dit que j'ai perdu la bataille de l'eau, que j'ai perdu la bataille de l'environnement, que les limons sont partis de mon champ, et avec les limons, tout ce qu'ils contiennent, le ruissellement et l'érosion, les pesticides, le phosphore, le machin, tout va suivre. Donc c'est même pas la peine. Là, je peux, si je fais l'expérience chez ces gars-là, j'y retourne, j'ai la même chose là.
Donc pour l'été, on va y retourner. Puis on va améliorer l'expérience. On va mettre un poisson rouge et on l'a. Bon, j'espère que je n'aurai pas l'association L214 présente, parce que là, je vais être taxé de mauvais traitement aux animaux. Mais globalement, ce poisson rouge, il pourrait survivre. Que celui-là, je ne lui donne pas cher, il ne va pas faire 5 minutes. Il va colmater ses branchies et puis basta. Et on se rend compte qu'à un moment donné, il y a un vrai, vrai problème. Et donc, ça se voit moins dans un sol qui est argileux. L'erreur, c'est l'argile. Parce qu'en fait, nos références, c'est le complexe argilo-humique et toutes nos références agronomiques, elles sont faites avec des sols argileux. Et pourquoi c'est une erreur? Parce qu'un sol argileux, en fait, il va se comporter comme ça très, très, très longtemps. C'est-à-dire, avant que vous fassiez ça dans un sol argileux, il faut vraiment l'avoir beaucoup dégradé. C'est pour ça que quand vous prenez une référence agronomique avec le complexe argilo-humique et des sols argileux ou argilo-calcaires, ben en fait, vous n'avez pas le même rythme de dégradation que des limons sableux ou des choses comme ça, qui eux se dégradent au contraire très très vite. Donc il y a un gros 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 problème dans les références. Et puis quand vous faites le tour de toutes nos références agricoles, c'est toujours sur des bonnes situations pédoclimatiques qu'elles existent. Dans le sud-ouest, Arvalis, à Montardon, c'est Pau, elle a sa ferme de référence. Dans la vallée du Gave de Pau, c'est du tchernozem stable, indestructible, construit par la moraine glaciaire il y a 25 000 ans. D'accord ? Donc là-dedans, vous pouvez réussir tout ce que vous voulez. Vous n'êtes jamais dans un problème agronomique majeur, puisque vous avez un cas exceptionnel. Tous les paysans qu'on rencontre, ils sont dans des trucs pourris comme ça, là, où il n'y a pas d'argile, pas d'humus, rien. Et en fait, si on voulait être bon en agronomie, on ferait nos fermes de référence dans les plus mauvaises situations pédoclimatiques. Et si là, on arrive à faire pousser quelque chose, on est très bon. Vous voyez ? Et non pas à l'inverse. On s'est trompé de débat et il va falloir le remettre rapidement debout si on veut apprendre quelque chose de nos systèmes agricoles. Et ça, c'est un vrai, vrai pavé parce qu'on se dit, oulala, ça pourrait chauffer. Donc on a fait un truc très simple, tout ce qui sort de ces fermes de référence, on n'en veut plus, puisqu'elle ne nous apprend rien pour construire nos nouveaux systèmes agricoles, puisque c'est toujours des belles situations au final. Bon, je vais à Boigneville, ben c'est pareil, mais bon, vous faites le tour de France, quasi des fermes expérimentales, c'est ça. Et donc il y a un vrai débat, ben, en Charente c'est les moignereaux, c'est quand même les belles situations de Charente ce truc-là. Donc, et puis comme c'est de l'argile, c'est stable, donc ça se dégrade moins vite. Donc on ne voit pas les problèmes environnementaux au même rythme que peut-être vous et moi dans le champ. Okay. C'est bien parce que là je vais commencer des essais avec le CFA d'Évreux et ils vont faire des essais sur du remblai. Oui, oui, oui. Donc là c'est parfait, c'est-à-dire c'est très dégradé, si ça pousse là-dessus, c'est bon. Ouais. C'est que je suis bon. Ouais. Ouais. C'est clair, on pense que ça doit pousser sur une friche, sur un tas de béton à la limite, d'accord ? Alors regardez, donc les plantes sont l'énergie de la terre, voilà, vous les mettez à toutes les sauces, et c'est là qu'on a commencé, quand on a fait ces expériences sur les couverts, qu'on a compris qu'il fallait des plantes géantes réellement, d'accord ? C'est-à-dire, plus vous allez faire de la biomasse dans un laps de temps court, plus le rendement de cette matière organique est élevé, plus vous allez avoir de capacité à ramener de l'énergie au sol. Et donc, là, pour vous le donner dans le mille, on a réutilisé les plantes anciennes. Tu sais, on en fait tout un foin des plantes anciennes, les plantes géantes, etc. Regardez bien, toutes vos plantes anciennes, en gros, elles n'ont pas de rendement grain. Voilà, et hop, on caricature à peine. Il faut les resélectionner pour avoir du grain. Par contre, elles ont de la paille, c'est des plantes géantes, elles font de la lignine, elles font de la biomasse, elles font du carbone. Donc il est probable que les couverts végétaux, ce soient des plantes géantes anciennes, principalement. D'accord ? C'est là que pourrait se débobiner la vraie place de ces plantes-là, et de temps en temps, sur le marché, quand j'arrive à attraper un créneau qui paye. Mais il y a vraiment beaucoup à réfléchir. Nos plantes modernes, elles sont naines, elles ont été sélectionnées petites, donc elles ne sont pas vraiment utiles pour faire de la paille et de la fertilité des sols. Par contre, les plantes anciennes, il y a vraiment à visiter. Et ça, c'est tout le monde est mort de peur devant ce débat-là, parce que finalement, si les agriculteurs resélectionnent leurs plantes anciennes, leur génome, on va dire, des plantes population,
eh bien, ça va poser un problème puisque c'est de la semence que vous pouvez vous refaire à l'infini. Vous sortez du schéma directeur de la semence. Hein? Et donc aujourd'hui, on est en phase dans ce débat-là, c'est-à-dire que tous les semenciers qui doivent nous produire des plantes géantes à biomasse, d'interculture, etc., ils ont peur d'aller dans le marché, puisqu'ils vont être concurrencés directement par les paysans sur leurs plantes autochtones. D'accord ? Mais je vous garantis que c'est là qu'il va falloir aller fouiller. Oui, c'est vrai ce débat-là, parce que même nous, enfin moi je suis producteur de colza, on s'en aperçoit sur les hybrides de colza, oui. Aujourd'hui plus ça, plus les tailles diminuent. Mais ils les ont nanifiés pour tout un tas de raisons, hein, et plus tu les nanifies, plus tu as des problèmes, d'accord ? Et quel est le premier problème aujourd'hui de ton colza ? Hein ? Les altises. Oui, les ravageurs, donc sclérotinia altise, et les adventices qui se sont mises dedans. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à te débarrasser de ton géranium et de ton je ne sais pas quoi. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait avec ton colza, si on fait la pause après ? Qu'est-ce qu'on a fait avec ton colza ? On l'a réduit. Regarde. On l'a hybridé, quoi. Oui. Enfin, peu importe comment on a fait, on aurait pu faire un hybride géant. Ce n'était pas le souci. Oui, c'est vrai. Ce que tu dis, il a joué autour de chez moi, il y a des mecs qui galèrent, ils balancent des produits pas possibles. Ouais. Le colza, il est tout jaune parce qu'ils n'arrivent plus à se débarrasser de certains trucs. C'est la première fois que je voyais ça. Le colza, allez, avant, quand j'étais jeune, je faisais 3 mètres de haut dans le champ. Hein. Donc autant vous dire que quand vous avez un colza comme ça, vous n'allez même pas dans la parcelle. Hein. Donc quand vous avez ce colza-là, regardez la performance, il faisait 60 quintaux, d'accord ? Mais 45 en routine, hein. Allez, 45 sûr, mais les meilleurs, on arrivait déjà à ça. Et en fait, pas d'intervention possible. En gros, quand tu avais désherbé un petit coup à l'automne, tu n'y allais plus beaucoup. Donc on fertilisait tout à l'automne, on désherbait à l'automne, et ciao, on allait récolter. Et le colza, il poussait, il se débrouillait, de toute façon tu ne pouvais plus y aller. Et ils ont commencé, en fait, à faire quoi ? Aujourd'hui, il fait 1,20 mètres. Hein ? Allez, j'exagère à peine, 1,5 quand il a fini sa floraison. Hein ? Il fait, allez, 45 quintaux max, parce qu'on rame comme des malades à faire plus. Alors, 60 ou 50 exceptionnellement dans un sol, comme chez toi, là, et encore, il faut y aller comme un malade. Hein ? Et donc, entre les deux, qu'est-ce qu'on a perdu ? Qu'est-ce qu'on a perdu entre les deux ? Oui, vous avez perdu du carbone. Hein ? Donc... perte de carbone, mais en fait, là, vous avez OK. Là, je peux passer. Donc, c'est... voilà. Donc, c'est plus d'intrants, mathématiquement. Et pour que vous mettiez plus d'intrants, qu'est-ce qu'on a fait ? La grande innovation du colza qu'il va falloir jeter rapidement. Mais non, vous avez, en fait, vous avez semé ce colza-là comme il ne faut pas le semer. C'est-à-dire, vous avez le type de semis. Avec beaucoup d'espace. C'est-à-dire vous faites des lignes à 40, 35, etc. 60 certaines. Hein. C'est-à-dire vous faites des lignes très espacées, alors que ce qu'il faudrait faire, c'est des lignes très serrées. Pourquoi ? Ben oui, plus vous allez mettre le sol au noir, plus il va vous arriver un miracle. D'accord ? Le problème de la monoculture, il est où ? Enfin, ou de la mono-spécificité. Il est où le problème ? En fait, le problème, il est que dans la mécanisation. C'est-à-dire, je dois pouvoir récolter un truc assez facile à gérer après. En fait, c'est ça. Tant que je suis dans du manuel ou de l'intervention au cas par cas ou différencié, je peux mettre de la diversité partout. En fait, il faut regarder nos problèmes dans sa globalité. C'est-à-dire, si je suis jardinier, par exemple, manuel, je peux
faire tout ce que je veux. D'accord ? Si je commence à mécaniser, je restreins mon périmètre, quelque part. Voyez ? Et le pire, c'est la mécanisation de la récolte, en fait, réellement. Parce qu'encore, mécaniser pour semer, je peux mélanger, densifier et mettre de la diversité dans le champ. OK ? Sauf que pour la récolte, ce n'est pas garanti, mon affaire. Donc, on a des vraies questions autour de l'espacement, du peuplement, de l'ombrage, de la taille. Vous voyez, tous les raisonnements qui arrivent. Et en fait, notre colza moderne, en le semant très large, ben ici, on a fait du sol nu. Et ce sol nu, il nous a posé beaucoup trop de soucis. C'est-à-dire, dès que la terre est nue, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une adventice qui pousse. Donc, tu as besoin d'un tronc, un outil, peu importe. Tu as besoin de faire un truc. Parce que tu vas lutter contre ton adventice pour essayer de sauver ta plante. Et donc, en fait, nos schémas directeurs, ils sont là. D'accord ? C'est le modèle. La question, c'est pourquoi l'agriculture va là et pourquoi elle ne reste pas là ? Et du coup, pourquoi ? Eh bien, d'après vous ? Pour prendre des enfants. Oui. Mais en fait, c'est business. C'est tout. C'est-à-dire que là, je ne fais pas vivre grand monde, je dois m'occuper de valoriser, d'accord ? Ici, je fais vivre beaucoup plus de choses et j'essaye de valoriser la même chose, puisque on a essayé de faire à peu près pareil. Hein ? Mais là, j'ai du business en plus, ok ? C'est-à-dire, on fait circuler de l'argent. Pause.